Regarde ton assiette. Angèle, on est dans la cuisine. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as couru? Non. Pourquoi tu me demandes ça? T'arrives tout essoufflé? Non. Comment ça s'est passé ton babysitting? Bien. Raconte un peu. Bah bien, c'est tout. Combien t'as payé? On a payé 7 euros. Pour 2 heures? Elle exagère, elle pourrait payer au moins 5 euros de l'heure, normalement c'est 6 euros. J'appellerai pour lui dire. Mais non, c'est pas la peine. Elle avait pas de monnaie. Elle m'a dit qu'elle me paierait plus la prochaine fois. Tiens. Attends, je vais mélanger. Est-ce que tu as décidé ce que tu voulais pour ton anniversaire? Non, je sais pas. Je me disais qu'on aurait pu aller faire des courses toutes les deux. Tu choisirais ce que tu veux. Ouais, d'accord. En fait, je sais pas si je t'ai dit, on sort ce soir. Non, tu ne l'as pas dit. Je me disais que tu pouvais garder ton frère. C'est toi la babysitter maintenant, non? On sera tout prêt, on vient chez les Sandrine. Et vous rentrez à quelle heure? Pas tard. Je te laisserai le numéro. Tu veux de la grenadine? Oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai à manger? Je sais pas, il y a des croquettes dans le frigidaire. Tu peux faire du gratin dauphinois, il en reste. Baptiste, tu veux un yaourt? Non. Tu veux de la compote? Non. Je veux pas. Bon, alors c'est l'heure. Je vais te raconter une histoire et je t'emmène te coucher. Allez, hop, hop. Il est où, mon frère? Où il est? Là. Tu crois? On va aller chercher alors. Allez, on dit à ta soeur. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Gardez la main bien, sa maman.